Vous savez qu'en 1957, il y a une écolière qui a perdu son sac à dos et lorsqu'ils l'ont retrouvé, ils ont été choqués de découvrir ce qu'il y avait dedans. C'est badant quand même, il se passait quoi? Toute cette histoire, elle est arrivée à une petite fille qui s'appelait Jenna. Elle changeait constamment d'école. Ah ouais, pourquoi? Parce que son père, il était à l'armée. Mais dans une école en particulier, bah, il y avait un casier qui lui appartenait. Elle avait mis son petit cadenas. En fait, elle est restée à peu près 2 mois dans cette école. Elle a dû changer d'école, encore une fois, à cause de son père. Avant de partir, bah, il y avait un petit sac qu'elle emportait tout le temps avec elle. Sauf qu'elle l'a pas retrouvé et donc du coup, elle a dû partir sans. Les années ont passé et plus personne se souvenait de ce sac. Aïe. Ah, ça craint. En 2019, le nouveau gardien de l'école, eh ben, il faisait un tour dans le bâtiment. C'est là qu'il a retrouvé le petit sac rouge entre 2 espaces de casier. Déjà, il pensait que c'était à des élèves, donc il l'a rapporté aux objets perdus. Personne n'est venu le récupérer, ben, il a décidé de l'ouvrir pour voir s'il n'y avait pas des informations sur l'identité de l'élève. Et en fait, à sa grande surprise, il y avait bien quelque chose. Jenna était décédée à l'époque, donc c'est ses enfants qui sont venus récupérer le sac. En fait, à la grande surprise de tout le monde, quand les enfants ont fouillé le sac, eh ben, ils ont fondu en larmes. Il y avait une photo de son chien, une photo de sa grand-mère, mais surtout, il y avait 50 000 dollars.